Et yo tout le monde, c'est Rookie de retour sur Warzone avec aujourd'hui une petite vidéo gameplay sur le Morse qui pour moi est la méta sniper numéro 1 sur Rebirth Island et encore plus sur les grandes maps comme Urzikstan parce que avec le canon et les munitions que je vais vous montrer dans ma classe setup, c'est un hit scan quelle que soit la distance. Donc sans perdre plus de temps, je vais vous montrer la classe. Donc le canon en question, c'est le canon à charge photonique, où en fait, il faut charger la balle avant de tirer. Tout ce qui est vitesse des balles et distance, il ne faut pas trop s'y fier, puisque la vitesse des balles est 10 fois supérieure à celle qui est indiquée, globalement, selon les sites comme True Game Data, Sim.gg, et la portée des gars, je vous dis, c'est un hitscan, a priori, elle est bien plus élevée que 76 mètres. Donc, juste pour vous montrer dans le stand de tir à quoi ça ressemble, en fait, là, je vise, et là, en fait, je charge ma balle pour tirer. Alors après, on peut charger plus ou moins vite, hein, mais plus on va être lent, plus on va vouloir charger, mais ça peut aussi être très vite, hein. Par exemple, là, hop, paf, je tire direct, donc c'est pas non plus un si gros handicap que ça, mais il faut juste s'y habituer. Les munitions, c'est les munitions slug anti-matériel hyper véloce pour pouvoir one-shot, en fait. Ensuite, j'ai mis le verrou rapide pour tout ce qui est donc vitesse de rechambrement et donc augmenter la cadence de tir, vitesse de rechargement, etc. La crosse légère Icarus pour tout ce qui est vitesse de visée, vitesse de transition de sprint au tir. Et je joue avec la lunette de base, contrairement à la saison dernière où j'avais mis une lunette, pour pouvoir mettre du coup le laser SL Razor Hawk pour viser le plus vite possible. Voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.
eux. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. Il a fait les choses à moitié. Les renards savaient à qui ils avaient affaire.